الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous finissons avec verset 172. Nous guettons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait genoux de sa verset là. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala adresse avec mankina iman d'un verset similaire dans verset 2 ou 3 versets avant, dans verset 168. Allah ta'ala in adresse avec jimoun en général. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. O ban jimoun, mange ce qui est là, depuis ban qui est bon. Ici, dans verset 172, Allah adresse spécifiquement avec ban qui est iman. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O ban qui est iman, mange depuis ban bon qui est qui nous fin d'un zut. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Et remercie Allah si je t'adore, si vraiment je t'adore Allah uniquement. Alors ça, l'au-delà depuis Allah subhanahu wa ta'ala, mais montrez-nous l'importance qui indimoun quand l'immense depuis ce qui est halal. Comment Imam Ibn Kathir, quand il fait commenter l'eau sa verset là, il dit « Wal akl min al halal » سبب لتقبل الدعاء والعبادة. Enjimoun, quand il mange depuis halal, il mange quelque chose qui est halal, ça lui fait ce dua et ce ribadat accepté. Allah Ta'ala de nous l'autre mange depuis ce qui est bon, et Ibn Kathir lui dit qu'un serviteur, il mange quelque chose qui est halal. Mange quelque chose qui est halal, une première façon qu'il nous mange halal, c'est qu'il nous astient quelque chose, nous prend précaution, qui dans sa manger là, dans sa nourriture là, il n'y a pas d'ingrédients qui sont haram, comme aujourd'hui nous devons remarquer, dans beaucoup de gâteaux, de chocolat, de biscuits, il y a des kitseuses, il y a des préservatifs parfois, qui sur l'origine, c'est des kitseuses qui l'islam pas permet, capable même une gélatine depuis des animaux, à ces animaux, même les capables bœuf, mais ne pas connaissent pas bœuf là, il fait halal. Donc nous devons prendre précaution pour ne pas manger des kitseuses qui il y a un ingrédient haram là-dedans. Et en même temps, l'autre façon qui nous mange depuis halal, c'est façon qui nous acquérir nous l'argent. Façon qui nous acquérir nous l'argent. Attention, qui ne peut faire un business, ou bien nous rentre dans l'assurance le taux, comme nous j'ai expliqué. Nous n'avons aucun choix. Nous obligés de payer l'assurance le taux, mais nous avons l'assurance la santé qui nous pas obligé de rentrer là-dedans. Excepté que si nous avons une compagnie là, peut assurer nous. Mais si nous-mêmes, avec nos propres mains, nous rentrons là-dedans, il ne fallait pas qu'ils nous fassent lit. Alors, ben, l'argent qui acquérit depuis sa source, depuis l'assurance, depuis l'intérêt, l'argent, ou bien le djimoun, il est coquin, ou bien il marre au hack and le djimoun, ou bien de ce business, il est triché, ou bien de l'héritage, il finit triché. Alors, ça, c'est pas quelque chose qui est haram, quand le djimoun, il consomme depuis ça, il empêche ce ribat d'être accepté, comme ça même, il nous kafir le dire, kama an al-akl min al-haram, يَمْنَعُ قُبُولَ الدُّعَى وَالْعِبَادَةِ. Pareillement, mange des petites choses qui sont haram, lui empêche du dua et ribadat accepté que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne un hadith, que ça, l'éclair, qui montre nous qu'il y a un djimoun, lui mange des petites choses qui sont haram, ce dua pas accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, أَيُّهَنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبَا. Ô ben djimoun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh ben djimoun, Allah li bon, li pas accepté, excepté quelque chose qui est bon. Allah li toyib, li bon lui-même, et li pas accepté non yé, excepté quelque chose qui est bon. Wa inna Allah ya'muru, inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Et Allah li fin odun ban croyant, même l'autre qui li fin d'un ban messager. Après le prophète finit le verset, ya ayyuha al-rusul, kulu min at-tayyibati wa amalu saliha. Allah adresse avec ban messager. Au ban messager, mange depuis ban toyibat, ban quelque chose qui est bon. Wa amalu saliha, et faire bon action. Faire ban bonnes œuvres. Inni bima ta'amalouna alim. Moi, me connais très bien ce que je peux faire. Ça verset là, il est adressé avec ban
messager. C'est ce que les prophètes disent, même l'autre qui Allah fin de man messager, ça même l'autre fin de man croyant. Et les prophètes disent le verset, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O banjimoun, mange depuis ban bon qui tous qui nous fin de nous. Ensuite, les prophètes fin mentionne un jimoun qui est en voyage. Thumma dhakara rajul yutilu safar ashraf akhbar. Ensuite, les prophètes fin mentionne un jimoun qui l'ipé prolonge ce voyage, mais il peut voyager à longue distance. L'ipé prolonge ce voyage. Ashraf akhbar. Ce cheveu l'est chiffonné et se laisse et n'a la poussière. Yamuddu yadayhi ila sama. L'y étendre, se délamer vers le ciel. Ya Rab, Ya Rab. L'y dit Ya Rab, Ya Rab. Wa mad'amuhu haram. Alors qu'il se nourriture l'y haram. Wa mashrabuhu haram. Se la boisson l'y haram. Wa malbasuhu haram. Se laisse l'eau l'y haram. Wa ghudhiya bil haram. Se lâcher fin nourri avec quelque chose qui est haram. Fa'anna yustajabu dhalik, li dhalik. Fa'anna yustajabu li dhalik. Comment Allah peut accepter le doua d'un djimoun pareil? Alors, ben, ulama, je t'explique ça, hadith là. Qui fait le prophète peut mentionner un djimoun qui est en voyage? Voyage, quand un djimoun est en voyage, un de bonnes places que nous doua accepter. Quand nous faisons voyage, là, comme ça, quand un djimoun peut voyager, nous allons faire doua pour nous. Et lui-même, sa djimoun qui peut voyager là, il saisit cette occasion là, il fait doua. Parce qu'il voyage, dans le hadith mentionné, As-safaru qit'atun min al-'adhab. Voyage, c'est une partie de punition. Parce qu'il voyage n'est pas facile. Voyage, il y a tracas. Voyage, il y a difficulté. Tout le monde qui voyage, il connaît qui veut dire voyage. Il y a difficulté là-dedans. Il y a un tracas, un souci. Alors, le prophète, il mentionne un djimoun qui doit voyage. Le voyage, c'est une bonne raison qui fait doua un djimoun accepté. Un djimoun, quand il est dans l'état de difficulté, Allah accepte ce doua. Un djimoun qui est dans le confort, il fait doua. Ce doua, Inch'Allah, faut accepter. Mais un djimoun, quand il est dans la difficulté, il est plus près avec Allah. Il est dans Moussibat, il est dans Traka. Sur l'écrire, plus près avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pareillement, un djimoun qui est dans voyage, il est dans Moussibat, ça, il est une forme de Moussibat. Alors, quand il fait doua, ce doua est supposé accepter. Le prophète dit à ce djimoun-là, il est dans voyage. Au contraire, il dit Yutuilu Safar. Il n'est pas juste qu'il peut voyager. Yutuilu, il peut faire un long voyage. Ashraf Akhbar. Ce cheveu, il est chiffonné. Il est voyager, il n'est pas pour gagner le temps. Prend lui-même compte sa quantité-là. Il n'est pas là, surtout à l'époque, quand du monde peut voyager au chameau, tout ça. Ashraf, ce cheveu chiffonné, Akhbar, et na roubar, et na. Et dans la poussière, le soleil, en général, voyage dans le passé, il dit comme ça. Même à celle-là aussi, quand il voyage, il part dans ce confort. Alors, ça, c'est quand il est dans l'état pareil, dans la difficulté, il se doit bien accepter. Yamuddu yadayhi ila sama. Lève la main vers le ciel, faire comme ça pour faire doua, le tien de l'estomac. Même si tu ne peux pas faire dernier, ça, c'est un adapte de doua. Il fait, nous doit accepter ça. Le prophète se souvient ça. Tu peux lever la main, pas tout place, mais en général, quand il fait doua, il lève sur la main. Il y a un adab de doua, il fait le doua accepter. Et il y a des hadiths mentionnés dans ce sens-là qui est un serviteur qui étend sur la main pour faire doua, Allah a honte pour retourner sa djimouna sur la main vide. Alors, il veut dire, ça c'est un adab de doua. Et djimouna peut dire, Ya Rab, Ya Rab. Le Rab, parmi les suffats d'Allah qui, quand nous faisons doua, nous servir ça, ça suffat. Allah a beaucoup suffat. Beaucoup de noms, d'attributs. Quddus, Salam, Mu'min, Muhaymin, Al-Awwal, Wal-Akhir. Tout ça, c'est le nom Allah. Mais vous pourrez remarquer de beaucoup de doua dans le Coran, comme nous connaissons dans un petit livret, 40 Rabbana. Tout ça, c'est le doua là, commence par Rabbana. Et dans le Sunna aussi, il y a un doua qui commence par Rabbana, qui fait un temps d'emphase au Rabbana, parce que le mot Rab, c'est celui qui prend compte. Rab, c'est celui qui prend compte ses serviteurs. Rab irhamhuma kama rabbayani sagira. Om Rab irhamhuma, gai pitié le maman, papa. Pareil comment kama rabbayani, ici le forme verbal. Rabba yu rabbi rabbaya, ici na duel. Laimu gai le mot Rab. Oh Allah, gai pitié le maman, papa. Pareil comment je t'y prends moi compte. Rabbayani sagira. Donc, Rab, c'est celui qui prend compte. Rab, c'est celui qui prend compte. C'est lui qui donne toute ma nécessité à sa créature. Hein? Aussi, il a le sens de Malik, de maître, le celui qui possédait, celui qui possède sa création. Tout cela, c'est le sens de Rab, mais surtout le mot Rab, il a sa sens. C'est lui qui
accomplir besoin de ce bon serviteur. Le serviteur de nécessité, le serviteur, Allah donne ce serviteur ce bon besoin. Alors, ça dit, il peut dire, ya Rob, et une de bonnes petites choses qui fait nous doit accepter, c'est pas servir ban Allah, ta la, ce bon attribut. Un du monde ne fait péché. Il servit Allah, son attribut, ya Tawab, ou celui qui pardonne. Ya Rahman, celui qui n'a pitié. Un jimoun lit dans difficulté financière. Il est capable de servir le mot Ya Razik, ou celui qui donne risque. Donc, d'après situation, c'est le jimoun est malade. Ya Shafi, ou celui qui donne guérison. Ça, le jimoun, cette situation, ce doigt qu'il lui peut demander, il servit par un attribut qui est approprié. Walillahi l'asma'ul husna, fad'ouhu biha. À Allah pour tenir toutes les jolis noms, alors invoque Allah pour ce bon joli nom. Alors, veut dire que ça dit mon là dans l'île réunie, ça dit mon que les prophètes peuvent mentionner là, ban condition pour ce doa accepter une réunie, les peut servir Allah ce suffat, ya Rab, il étend la main vers le ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa mat'amuhu haram, ce nourriture est haram. Ça dit mon là, ce nourriture haram, soit il travaille dans une place qui les pas connaît qui ça. Par manque de connaissances, il peut faire un travail qui nature du travail là, les haram. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans une compagnie d'assurance. Un musulman n'est pas supposé travailler dans une compagnie d'assurance. Dans la banque, un musulman n'est pas supposé travailler dans la banque. La banque, dans lui-même, le système, il base l'intérêt. Et dans une situation que nous connaissons, il n'est pas prévu dans l'État islamique. Nous avons un travail qui se nature du halal, seulement il mélange avec haram. Fais la différence. Pareil comme une fois un frère, pour l'ignorance, il va vendre le tri. Soit pour ne pas prendre compte à la sodine. On dit, frère, le tri n'est pas bon ça, ou pas vendu. Il est haram, j'ai du hasard. Il dit, moi, journal, pas qu'il y a un journal. Dans le journal, là, quand il y a un journal, il y a une photo haram là-dedans, il y a une telle quitte. C'est vrai, mais c'est vrai. Lui. Dans le journal, quand il y a un journal, mais c'est un journal dans le lit. Qui veut dire un journal? Un journal, c'est un papier qui donne nous information. Mais seulement ensemble là-dedans, il y a une petite chose qui est haram. Bon, enfin, il y a une photo. Mais le journal là, lui-même, il n'est pas haram. Mais comme ça, même si on dit, nous pouvons dire pour chaque petite chose haram, nous pouvons dire travail est haram. Ça, je ne veux pas pour gagner place pour travailler dans les mondes qui nous peuvent vivre là. Par exemple, professeur. Professeur, nous besoin, par exemple, nous besoin payer si comme c'est l'assurance. Au long terme, l'étude optionnelle, celle-là, il coupe direct dans la paye. Ne pas en tout. Et le professeur travaille dans l'école gouvernement. Il y a Zoom Music Day. Il y a les parties d'un staff qui a ben, le sexe opposé. Il y a une situation difficile. Donc, vous allez comprendre bien. Entre un travail qui travaille là, haram, avec un travail qui travaille là, le halal, le messellement, dans le travail là, il y a une petite chose qui est haram. Il y a une petite chose qui est haram de travail là. Le travail là, c'est naturel, halal. Mais dans ce travail là, il y a une petite chose qui est haram. Ça nous fait différence avec un autre, un travail qui dans lui-même est haram. Par exemple, la banque, le système, les bases ou l'intérêt, ça est haram. L'assurance, la transaction d'assurance là, il n'est pas reconnu même par l'islam. Ça est haram pour travailler dans une place pareille. Donc, fallait nous faire ça, sa différence là. Fallait nous faire ça, différence là. Alors, ici, les prophètes mentionnent ça, Jimoun là, il dit wa mat'amuhu haram, se nourrir est haram. Donc, soit la façon qu'il peut acquérir ce logement, il est capable de vendre le titre haram, mais une façon dans le monde actuel qui est un jimoun, il est capable de vendre une petite chose qui est haram. Et une petite chose qui nous gagne chagrin parfois, nous sommes capables de trouver un jimoun, il est un tabazi, il a une place qui travaille, il gagne ce risque halal, ce tabazi, il vend une petite chose correcte, le jimoun peut vivre. Mais seulement, il y a le gâte sur income pour vendre une cigarette. Cigarette, la grande majeure partie du ban savant il dit haram parce qu'il fait dito. Il y a un ban savant hanafi qui dit li makrou. Mais seulement, nous ne l'appelons pas ban savant se dit li haram parce que ce dito li clair. Dito qu'il y a dans la cigarette, au contraire, le bois de cigarette, là, il met dit où il y a des traits ou la santé. Et l'islam est venu pour prothèse. Parmi ban maqasid du sharia, ban savant se dit il y a 5 kitsos qui la loi islamique li prothèse. L'islam, ce ban alors, vous trouvez li prothèse digne. Les prothèses du monde sur la vie, les prothèses du monde sur l'intelligence, les prothèses du monde sur l'argent, les prothèses du monde sur les descendants, sur les enfants. Avec ça, maqas du sharia. Vous trouvez tout dans la loi qui est dans l'islam, les tourne autour de 5 maqsad là, 5 objectifs. Prothèse digne,
prothèse. Par exemple, djihad est prescrit pour prothèse digne. L'enseignement de dîn est prescrit pour prothèse dîn. C'est la première question. Ça, plus important. Prothèse la vie du monde. Ben, la loi de l'islam est venue pour prothèse la vie du monde. Par exemple, l'islam, c'est lui qui tue, bien tuer lui pareil. C'est lui qui fait crime, bien tuer lui pareil. Les harams pour consommer malquitteuse qui détruit ou la santé. Alors l'islam vient pour prothèse, ou même l'homme lui-même pour son bienfait. Et ben, ça avance, je te dis comme ça. Ça cinq l'objectif là, ben ça va d'accord là. Qui tout ben la loi, il révolte, il tourne autour ça cinq choses là. Je dis c'est là pour simplifier, je dis la charia جاءت لجلب المصلحة ودفع المفسدة. Charia est venue pour amener du bien pour du monde et pour répousse du tout des du monde. Assiser, réfléchir le sac la loi qui est là. Comment la loi est là dans l'islam? Tout ça ben la loi là est là seulement dès l'objectif. Élaborer nos cinq points là. Toute la charia, toute the body of Islamic law, l'hypothèse nous réduit dans des phrases. Jalbul maslaha wa daf'il mafsada. La charia est venue pour amener du bien pour du monde et pour repousser du tout des du monde. Cigarette, il amène du tout pour du monde. Au contraire, il détruit un du monde sur la santé. C'est une petite chose qui, Allah subhanahu wa ta'ala dit La tulku bi aidikum ila tahluka. N'a pas jeté vous-même avec votre propre armée dans la destruction. Un démon qui peut fumer, il peut détruire lui-même. C'est un démon qui se travaille, il a un bon travail, mais seulement de se tabasser, il vend une cigarette. Mais il peut salir, à l'aide de rien de facilité, il a un bon travail, mais seulement il peut vendre une petite chose qui date sur l'income. Hein, pareil, un démon qui vend l'aise, vous avez fait attention, il a une l'aise qui il a dessin, il a une photo. Faut de monde là, ça va être quelque chose là, fallait pas un monde qui tombe là-dedans, il est bien resté loin. Après, il y a une question, je explique ça ici. Il y a une question qui Al halal ou bayin, ou al haram ou bayin, ou bayna huma umur mushtabihat, la ya'lamuha kathiru minan nas. Un hadith très connu. Al halal ou bayin, c'est qui halal l'éclair, ou al haram ou bayin, et quelque chose qui haram l'éclair, ou bayna huma umur mushtabihat. Entre les deux, il y a une petite chose qui est du deux. La ya'lamuha kathiru minan nas. Beaucoup de monde, par contre, ça m'a une petite chose là. Faman ittaqa shubuhat istabra lidinihi. C'est lui qui reste loin avec une petite chose qui est du deux, il fait une prothèse ce dîme. Il fait une préserve ce dîme. Donc, dans le monde qui nous peut vivre aujourd'hui, il y a beaucoup de petites choses aussi, une transaction qui est du deux. Alors ça, un démon l'observe, s'il n'est pas connu, il reste loin avec lui tant qu'il est capable. Donc, alors, fallait nous comprendre bien, l'islam c'est un digne de modération. Ni, il met en caractère la loi qui est difficile, comment dire, extra difficile pour gagner manger halal, ni un côté, pardon, une négligence. Ni un côté, une négligence, je veux dire, il n'est pas une nouvelle à négligence, il faut prendre compte. Ni un digne qui est difficile, ni un digne qui met ban fort de l'ONU, qui n'est pas qu'à supporter. Dîner à l'islam, il n'y a pas de force de l'ONU qui n'est pas qu'à supporter. Même dans une situation de difficulté, nous trouvons dans le même verset qui vient après, il y a un chemin qui est ouvert. Dans la nature de la loi islamique même, dans un moment de difficulté, dans un moment où le pape est capable, il y a une souplesse qui, la porte qui est chalira, vient ouvrir. Nous trouvons dans le verset qui vient après, c'est ce qu'il nous peut dire. Alors, ça, dit là, les prophètes disent, ce nourriture est haram, ce boisson qu'il boit est haram, ce linge qu'il mette est haram. Parce que soit il peut y avoir une petite chose qui est linge là même, il y a une petite chose haram là-dedans, ou bien ce l'argent qui finit acheter sa vêtement là, avec l'argent haram. Les prophètes disent, wa ghudhiya bil haram. Ce lâcher fait nourrir avec haram. Ce lâcher fait nourrir avec haram. Fa anna yustajabu lidhali. Comment est-ce qu'Allah lui pour accorder sa djimoun-là ce doua? Comment est-ce qu'Allah pour accorder sa djimoun-là ce doua? Donc, nous trouvons là-dedans comment il est important qu'Allah peut donner l'autre. Mange une petite chose qui est halal, nous mange une petite chose qui est halal. Il y a une tricherie que djimoun fait dans le commerce. Il y a différentes façons que djimoun fait tricherie. Alors, tout ça là, bien faire attention. Par exemple, il y a djimoun dans le poste, je prends braille, comme à la douane ou bien la police. Il n'y a pas seulement ça, dans différentes formes, dans différentes positions aussi, quand ça m'a dit ce là, il est possible pour faire, pour prendre braille. Alors, pareillement, un jour la police arrête moi,
Un jour, la police arrête moi, il me demande un laman. Laman là, 1000 roupies. Moi, je dis, quand c'est ça, laman là, moi, de toi, 200 roupies. Mais tu te poses. Haram. Et au contraire, il y a un hadith clé, là, richoua. On appelle ça richoua. Vite, bribe. C'est lui qui donne, c'est lui qui prend, et c'est lui qui agit comme intermédiaire. Je te gagne, ça va faire rien, il mange une malédiction, ça va faire rien. Le richoua. Vite, il y a une petite chose qui vient vraiment grave. Aujourd'hui, corruption, c'est un des grands problèmes de beaucoup de pays. Corruption. Et quand il y a corruption, on peut tout gâter. C'est lui qui passe supposé d'un poste, il gagne un poste. Il commence par un simple petit bribe. Il y a quelque chose qui a fini. Il y a quelque chose qui a fini. Right? Alors, il ne fallait pas, ça m'a dit quelque chose là, ça m'a dit quelque chose qui est haram. Un dimon, ni il prend, ni il donne. Sinon, qu'arrivé, quand il prend, il mange quelque chose qui est haram, ce doua n'a pas accepté. Nous venons avec, après Allah subhanahu wa ta'ala dire, Washkuru lillah. Mange ça qui est bon, ce qui nous finit de nous autres, et remercie Allah. Remerciement envers Allah, il prend trois façons. Nous remercier Allah dans nous l'équerre, nous reconnaître qui ça qui me possède, il vient depuis Allah. Et dans le monde, il pense que moi, mon travail, mon rentier, mon faire des efforts, mon finesse sérieuse, à cause de ça, moi, il y a sa manque de choses, à cause de ça, mon arrivée aujourd'hui, ce n'est pas mon effort. Il ne fallait pas un musulman, il pense comme ça. Parce que dans sa dunya là, il y a des gens qui font des efforts 10 fois plus que nous, il n'est pas fini d'arriver. Et dans le monde capable de sa dunya là, il fait des efforts 10 fois plus que nous. Il rentre 10 fois plus que nous, mais il n'est pas fini d'arriver dans nos positions. Ce n'est pas pour nous, nous devons faire des efforts, c'est un sunna. Tout ce qui nous a envie de gagner dans sa dunya là, nous devons faire des efforts. Mais il ne fallait pas penser qu'il y a uniquement nos efforts. En premier, c'est Allah qui fait nous les. Mais le résultat de ses efforts qu'il nous fait là. Nous faisons des efforts, Allah qui met le résultat. Sinon, tout le monde qui fait des efforts, tu peux arriver. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dit nous, washkuru lillah, remercie Allah. Une façon que nous remercions Allah, de nous l'écrire, nous reconnaître que ce qui nous gagne, les vins depuis Allah. L'autre façon que nous remercions Allah, pour nous battre membre l'écho, c'est nous servir sa membre l'écho qui a l'aide de nous là, dans quelque chose qui a l'aide permet. Parce que la santé, nourriture qui nous mange, nous mange nourriture, nous prend Allah sur nourriture, nous fait manger, c'est la force qui nous gagne là. Si nous servons ça dans le haram, Dieu nous peut montrer nous un grand envers Allah. Allah Ta'ala de moi manger, boire, courage qui m'a gagné, la santé qu'Allah de moi me servit ça dans sa désobéissance. Me servit courage qu'Allah de moi dans sa désobéissance. Alors, ça me rappelle, remerciement, il vient, pas dans les quais en premier, il nous donne action de nous l'écho, ben, membre de nous l'écho, nous servit de l'obéissance à Allah. Et aussi par nous la langue. Par nous la langue. Une façon, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Quand on a une faveur de ton Rabb, cause concernant une faveur de ton Rabb. Khono se fait un djimoun, li dire alhamdoulillah, Allah fin donne moi ça, Allah fin donne moi ça. Au contraire, le tourban djimoun, bien souvent je te plaigne. Ça difficile, ça me peine, li plaindre de quelque chose qui li peine, mais li pas get quelque chose qui li est là. La cause Allah dit wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Cause concernant la faveur de ton Rabb. Par exemple, nous pouvons causer, nous disons Alhamdulillah, nous pouvons faire les choses dans ma zid. Personne ne va finir prendre l'enquête avec nous. Qui nous peut causer dans ma zid? Contrairement à certains pays, pas qu'il y ait un droit n'importe, ça n'a pas qu'un droit de dire dans ma zid causer. Il besoin d'un PMI, un PMI pour lui causer. Il besoin l'autorité, il besoin informer l'autorité qui lui finit causer. Et s'il finit cause quelque chose qui ne peut pas plaire à l'autorité, lui faire prison. Tout ça là, il n'a pas d'un pays qui a fait d'un pays musulman là, il n'a ça. Combien on roule à la prison? Mais nous, Alhamdulillah, nous causons dans la masjid, les gens qui nous ont envie, nous causons ce qui nous content. Personne para, nous ne pouvons pas rendre compte avec personne. Nous ne pouvons pas tirer permis pour faire dawa. Tout ça, là, c'est une facilité. Donc, un dimon, les causes concernant la faveur Allah. Quand nous causons concernant la faveur Allah, ça aussi, il faut faire nous vivre un dimon qui est reconnaissant envers Allah. C'est-à-dire qu'Allah dit wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Aussi, un dimon qui a l'air de faire faveur au lit, une façon qui lui montre lui reconnaissant, c'est lui servir la faveur là. Et dans le hadith qui mentionnait, Allah lui content trouve les faveurs qui lui fait le surop paraître le Allah lui content trouve le serviteur, Allah lui content trouve trace de ce faveur le serviteur. Veut dire Allah de nous servir. Pas faire, comment dire, à l'un de nous la richesse, mais de bon linge. Roule bon le teu. Mange bon manger. Montrer à Allah
pas veut dire faire ça pour faire du monde plaisir, non, veut dire jouir de Allah subhanahu wa ta'ala. Koulou min tayyibat ma razaqnakoum, mange bon manger, met zolilaise, Allah li content quand il trouve nous pour servir ce bonne faveur sans qu'il nous fait exagération, Allah li content. Fallait pas nous venir un du monde qui li manu dire dans langage créole li crap pour manu dire li avare. Allah voilà la sourate Isra m'a fait rire. Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. Allah dit n'a pas fait la main attachée avec ton cou, veut dire n'a pas fait avoir. ولا تبسطها كل البسط, n'a pas étalé ton main net complètement, veut dire ni te fait avoir, t'attache ton main, te pas dépenser, ni te fait extravagance. Alors bien être l'islam c'est digne de la modération. Dimon en l'indonné les manger boire les satisfaire les hein, les jouir de bonne faveur d'Allah, là les contents faveur là les paraît de sa servitude là. Alors ce moment là oui, donc de cette façon là c'est une façon pour nous remercier Allah. Dernier bout, nous tu peux faire l'autre verset, nous finirons arrive presque 30 minutes et inchallah la semaine prochaine Allah subhanahu wa ta'ala dit in kuntum iyyahu ta'budun, remerciez Allah si vraiment je peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, si vraiment je peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Donc voilà frère en islam, c'est qui un musulman libisin koulou min tayyibati, Allah peut donner nous l'autre mange ban bon qui chose qui fin de nous, nous jouer de faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tout cela par permission Allah, même qui t'y guide qui lit beaucoup par l'eau d'Allah dans sa pays là, me croit je ne peux pas mourir sans manger par permission. Là je me dis difficulté oui, pas dire qui paye non, mais c'est moi par l'eau d'Allah, Allah encore peut verser sa faveur tant qu'un peuple lui remercie Allah, lui pas désobéir Allah, lui remercie Allah. Allah la in shakartum la azidannakum, Allah subhanahu wa ta'ala dit la in shakartum la azidannakum, si je te remercie moi, moi pour continuer augmente mon faveur aux autres. Si je te remercie moi pour continuer augmente faveur aux autres. Et parfois nous assisons, nous réfléchissons, malgré le problème de Maurice, nous trouvons encore beaucoup de faveur qu'Allah verse dans ce pays là en différentes façons. Par exemple hein, Covid, beaucoup de pays sont extrêmement affectés avec ça. Mais par l'eau d'Allah, nous sommes affectés. Mais seulement par l'eau d'Allah, Maurice, Iskalé, nous pas encore, nous pas payer une manne qui te qui, comme on dit, qui arrive, pas dans nos contrôles. Nous espérons qu'Allah continue vers ce faveur. Parfois, c'est pas un travail, un bon acte. Pas parfois. C'est pas un travail, un bon travail, une bonne action. Un dimon, il n'est pas passé dans ma zine, un tata, il est passé dans ma zine, il peut faire ribadat. Nous ne connaissons pas sa ribadette qu'il peut faire là. Comment Allah Ta'ala peut préserver? C'est un qui est sur l'amal de Manjimoun et dans l'effet de la situation. Amal, action. Bon action de Manjimoun, il y a l'effet de l'état d'un peuple. Il y a un hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un janaza, peut traverser. Il dit Mustarihun ou Mustarahun min. Un janaza peut traverser, le prophète dit, soit il peut reposer, soit la création peut reposer des pili. Soit il peut reposer, soit la création peut reposer des pili. Mais dès qu'il y a un bon djimoun, djimoun là, il peut gagner rahat, ou bien s'il y a un mauvais djimoun, la création peut gagner rahat depuis ça djimoun là. Parce que quand djimoun fait désobéissance pour la terre Allah, ban créature, comme on dit dans le verset précédent, il cite pas cela. Ban djimoun qui désobéit Allah, le salaté là, ban créature invoque malédiction aux autres. Pour pécher Benjamin, Allah retenir sur bonne faveur. Nous finissons trouver hadith que faire mention Benjamin d'une place qui Benjamin pas tient zakat comme a besoin, Allah lui retenir la pluie. Hein? D'une place que zina il paraît ouvertement, Allah avoue une maladie. Veut dire qu'on trouver situation. Hein? Nous croyons comme ça. Nous même capable Benjamin qui je dis je suis scientifique, je croisis dans le matériel. Nous croyons au-delà du matériel. Il y a une relation entre nous et l'action. Comment nous trouver? Quand du monde pas donne zakat, comme on a besoin, Allah retenir la pluie. Oui, il y a une cause qui est explicable physiquement, de côté matériel, mais seulement, ultimement, derrière là, quand du monde peut retenir zakat, il pas donne zakat, Allah retenir la pluie. Quand du monde, quand le prophète mentionnait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait, quand l'immoralité est ouverte, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a envoyé une maladie, qui jamais fin apparaître devant le peuple du passé. Alors ça c'est une réalité. Donc quand on trouve une maladie n'apparaît, peut-être c'est pas zina qui dit mon faire, pas une obscénité, pas un péché qui dit mon faire ouvertement, pas peut-être Allah lui fait comme ça.
Alors, soit là, il y a, par exemple, vous trouvez, dans l'Arabie, il y a un an, je commence à faire la musique. Il y a un an, je peux faire un concert aux vêtements. Je t'invite un malpropre, Nicki Minaj, un dernier malpropre. Ça malpropre-là, je ne veux pas vous venir dans l'Arabie parce qu'il y refuse. Je comment là, tu as humilié ça au matelas. Je ne veux pas vous venir parce que ça paye là, pas respecter le droit de madame. Vous connaissez un koufar qui jette perspective le bad madame. Il ouvre cinéma. Un an après, Hajj fermé. C'est le monde local qui fait Hajj. Arrête, Umrah fermé. Allah, on est sous faveur. Et c'est une source. Hajj, Umrah, c'est une source de income pour ce pays-là. Alors, je n'ai envie de plus qu'il ne soit pas satisfait. Ouvrir toute qualité cinéma, ouvrir la musique, concert, toute qualité malpropre, honneur, bonne malpropreté. Ah là là, 50 là, Hajj pas capable de faire, Umrah pas capable d'aller. C'est clair, ça, c'est moi. C'est là qui pas trouvé. C'est un qui paye na iman. Un qui na iman, il est capable de trouver relation. Allah montre lui relation qui est là. Même un djimoun. Un djimoun, il est sur la vie personnelle. Un djimoun, quand il tombe dans le péché, il a une difficulté. Remarquez quand l'iman est affecté. L'iman est affaibli. L'iman est affaibli. Il a un manquement, il a une action, ou il a une difficulté dans la vie. Mais quand l'iman est rapproché avec Allah, ou quand il a une difficulté, mais Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert un simé. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. C'est lui qui a taqwa, Allah ouvert ban simé, sorti de ban difficulté, wa yarzuku, get risque comment venir, get comment nous comprenons sa dunya de notre façon. Wa yarzuku min haythu la yahtasib. Allah donne les nourritures, get relation entre taqwa avec nourriture. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. C'est lui qui paye Allah donne un simé sorti de cette difficulté. Wa yarzuku min haythu la yahtasib. Allah donne risque d'une façon qui lui-même n'est pas atteinte. Allah donne ce nourriture d'une façon qui lui-même n'est pas atteinte. Cette relation, istighfar. Un djimoun fait beaucoup istighfar. Allah enlève ce banbala pour istighfar. Allah donne risque, Allah enrichit lui. Dans Surah Nuh, pareillement. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nous, alayhi salam, j'ai avec ce peuple, fais istighfar. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Allah l'y pardonner. Fais istighfar, Allah l'y pardonner. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Allah l'y vous fait la pluie descendre en abondance. Istighfar, fais-nous gagner la pluie. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. Allah vous donne cette mal pour istighfar. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Les enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah vous donne cette ban jardin. Allah vous donne cette ban fleuve. Veut dire Allah sous barakat descend pour istighfar. Allah dit وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَى لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Si les gens de la cité t'amènent iman, nous tu peux ouvrir les portes de barakat depuis dans les ciels. Allah tu peux donner l'abondance. Alors, un musulman, ce façon qu'il est salé mondial est différent. Risque trouve dans l'armée Allah, quand il y a de l'obéissance Allah, Allah ouvre la porte risque. La cause ça, je vous dis, je vous dis, je prends ce tifi avant une époque qui passe pour la prendre. Moi, je suis obligé à la prendre même pour capable vivre sa petite vie de 70 ans, 80 ans là. Quand même, il y a pas la côté dans la mixité, quand même, il y a un danger pour sa petite fille là. Quand on a besoin de travailler, même lui. Mais nous, ma fille. Parce qu'il y a une fini gagner ça, l'objet, nous fini gagner sa vision matérialiste. Nous croyons que ce succès là trouve un salaire, trouve un bon poste, dans Pérou, l'un le teu. Ça, pour nous, c'est ça qui est happiness. Happiness, pour nous, c'est pas quand ça dit, on a libéré avec Allah. La cause ça, Ibrahim bin Adham, un des grands zahid, un grand du monde qui est ascétique, pour un tabéri, si on va faire, pour un tabéri, lui dire, si, pourtant ce type de zahid, c'est un type de tigit, le sadunia là, il dit, si ben les rois, tu connais dans qui contentement, dans qui bliss nous peut vivre, ben les rois, tu peux la guerre avec nous, avec d'autres l'épée. Si ben les rois, tu connais dans qui contentement, dans qui la joie nous peut vivre, ben les rois tu peux laguer avec nous. Sur la joie c'est quoi? Happiness trouve là-dedans ça. Happiness n'est pas trop dans quelque chose matériel, le teu, joli la case. Non, un dimanche n'est capable de vivre ça teu, mais c'est moi les mettre sur la tête l'eau, il n'est pas foutu de dormir pendant 3 heures, il vient attendre 2 heures pour les gagner sommeil. Ça l'autre dimanche qui a un bout de jipette sur la case,
elle ne bouge pas avec un souboulis, ce risque, 10 poulies, il met sur la tête, il dormit avec tranquillité, puisqu'il y a les rois qui peuvent dormir le king bed, l'eau dans l'aircon. Alors, ça, c'est un musulman, sur façon qu'il guette ça la vie là. Il n'est pas pareil que les autres du monde. Et ça, l'enseignement là, ça yakin de ça qu'il nous peut dire là, nous pas pour atteindre ça, sa façon de voir les choses, excepté qu'il nous nourrit nous avec l'enseignement du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas suffisant du monde, écouter des. Non, le besoin qu'on m'a dit, par exemple, nous manger. Ne pas manger un jour après 10 minutes, ne pas manger, non. Tous les jours, nous manger. Le matin, nous lever, nous prenons nos nashta régulièrement, nous déjeuner, nous dîner. Mais un jour, nous devons régulièrement nourrir avec le Coran, avec Sunna. La cause, Ibn Taymiyyah, ça m'a fait rire. Quand il est persisé après la mort de Fajr, il est persisé, il fait dhikr Allah jusqu'à ce que le soleil est levé. Je dis ça, c'est une nashta ça. Et man qui, man jimoun, on n'est pas Ibn Taymiyyah même. Ben, du monde qui est prêt avec Allah, pour eux, quand je t'arrête de faire dhikrullah, c'est comme un poisson qui est en dehors de l'eau. Je ne pas caratini. Je veux dire, reste dans le rappel d'Allah. Quand un poisson qui est en dehors de l'eau, il part ici. Et ça, ben, du monde qui est prêt avec Allah, là, je tout le temps dans dhikrullah. Pour eux, ça même, je te nourritir. Hein? Je te vivre avec ça. Avec Allah, sur ribadat Allah, avec dhikrullah. C'est ça, je te nourritir. Après, travail pour matériel, là, il vient secondaire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé nous pour premièrement pour « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Nous n'avons pas créé l'insane et l'jinnat, excepté pour qu'ils se fassent moi l'adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « يَبْنَ آدَمْ تَفَرَّعَ لِعِبَادَتِي أَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنًا » Aux enfants Adam, libérez-toi pour mon ribadat, pour remplir toute la poitrine avec la richesse. Quelle est la richesse là qu'on trouve? Amla ou sadra karilen. L'ibandiye, moi, pour donner toi, joli le tombe, moi, joli la case. Oui, ça aussi, n'est pas une forme de faveur depuis Allah. Mais qu'Allah dit dans le hadith Qudsi, Yabna Adam, tafarra li ribadati. Aux enfants Adam, libiyatam mo ribadat, amla ou sadra karilen. Moi, pour remplir toute la poitrine avec la richesse. Wa asud da fakra. Et moi, pour combler tout le monde besoin. Tout le monde qui te souhaite, moi, pour donner toi, lui. Wa illa tafal, mais je ne peux pas faire ça. ملأت صدرك فقرا